qui avait Romulus autour du premier livre qui titrait Le cri de mon destin. C'est avec lui ça, côté que Paul Fonti, je t'ai parlé, Paul Fonti, causé avec Clavens Romulus pour connaître et qui expérience que tu fais dans le ça, pour qu'il s'allait même choisir partager l'expérience ça avec nous. C'est avec Clavens. Clavens, bonjour, comment vous êtes? Bonjour, Gami Victor, bonjour à tous les amis qui viennent regarder et belle émission ça. Et si on a le plaisir, là, on va parler de Le cri de mon destin qui c'est mon premier ouvrage. Le cri de mon destin, c'est un ouvrage qui dit que parler de vie personnelle, parler de mon nom, parler de ma part, parler de mon sens, de l'expérience que je fais, des obstacles que nous avons surmontés et qui fait de ça au même oublié, je veux dire, comme professionnel, comme technicien, et nous travaillons déjà toujours dans plusieurs institutions en Nigeria. Conseillons un père de famille, donc une question qui était censée intéresser, moi j'ai appris pour faire ça, et nous souviens que c'est une base qui a à peu près 50 pages. Nous-mêmes, en tant que père de famille, d'abord même, bon, quant à moi, j'ai toujours parlé de ça. Mon papa qui a fait petit plutôt à partir de mes responsabilités, il n'est pas bien envers Timon. Ça m'a toujours. Nous sommes victimes de ça, c'est ça fait toujours camper pour critiquer ça. Et critiquer ça pour me dire que papa, il est au fond de Timon. Je pense que Timon est innocent. C'est-à-dire que faut que fait tout le moins possible. Tout ça dépend de vous pour vous bailler de mon nom qui c'est paix quotidien, qui c'est éducation, qui c'est une bonne marche, enseigner de mon nom la bonne voie. Les deux suivent. Responsabilité à certes, mais en même temps, qui ça a empêché le papa à prendre responsabilité. Nous toujours parler de moi-même qui sont victimes de la société parce que nous sommes victimes de cela. C'est que pas marié avec maman. C'est-à-dire que une victime du fait que et madame papa était une groupe obstacle balkan et pour t'empêcher papa prendre responsabilité envers moi. C'est un bagage qui va le faire victime, toute victime autant que un monde qui pas mérité traitement. Et nous venons un traitement qui est vraiment dur et qui va le permettre de prendre responsabilité en main. Oui, effectivement, papa a dû prendre responsabilité en main pour répondre avec les conditions que si madame a fait face pour que la famille soit capable d'épanouir et normalement. Mais ou même pour en tant que monsieur marié, comme je suis venu tout à l'heure, est-ce qu'on peut peut-être pour nous trois raisons qui peuvent pousser nos relations mariées avec la vie? Bon, il y a trois raisons, mais les raisons sont toujours personnelles. Moi, je n'ai pas parlé de moi-même qui c'est qui avait tout mieux. Et la raison qui fait marier avec madame moi qui c'est chez nous, c'est parce que il y a une capacité intellectuelle. Il y a un sentiment qui est énorme pour moi-même. Okay? Et puis, ils sont monde qui est très progressiste. C'est trois facultés qui ont fait un choix. Et pour me dire la vérité, parce que l'émission, ça, c'est tout est dit. Ok? Et nous n'avons plus de partenaire à cette époque. Mais nous avons découvert trois facultés à la Cali, qui sont trois ponts pour nous traverser et vers le progrès, vers la réussite. Donc, ça te permet que. Choix donné parce que c'est même ça que tu as venu avec la question. Ça, c'est pour regarder les relations qui dégagent avec maman ou qui c'est Patricia qui nous parle et qui nous souvient. Donc, c'est une façon pour en tout cas et faire et regarder et pour qui ça peut-être mon papa va arriver ou arriver avec maman, mais ou même en grandissant et qui d'après constat pas est-ce qu'il y a peut-être qu'il y a raison qui fait que à le papa, peut-être pas de faire choix de mon monde, de marier à votre fille, et tandis que vous êtes même bien ou comme petite garçon. Bon, quant à moi, je m'en vais vraiment
parce que son monde qui est persistant, dans le bon sens, son monde qui pèse. Okay? Nous trouvons que ça, c'est un élément. On ne sait pas parce que nous ne sommes pas connus. L'idéologie aussi, l'objectif aussi. Ce qui ne va pas me viser. Parce que lorsque vous avez un fruit, vous avez besoin de quelque chose. On peut ne pas commencer à viser, mais pour moi-même, je trouve que défaut ça, c'est énorme. Pour moi-même, en tant que petite fille, je suis vivre avec elle parce que c'est bon. Nous parlons de maman ou là, qui se présente dans le livre, la page 27, que nous avons invité tout le monde qui a eu une chance de la lire. Nous avons présenté maman comme la belle Patricia. Et la première partie là-dedans, mon côté pour vous mentionner, beaucoup de femmes portent le prénom de Patricia, mais ici je veux parler de ma mère biologique, Patricia Prévillon, une femme très sexy et très directe. Elle a fait toutes ses études secondaires à Port-au-Prince au collège Jean-Jean-Marc. Elle est mariée et a deux enfants, Wastoud Marcellus et Kervens Romeus. Patricia faisait l'éducation de ses enfants sans l'apport de leur père. Son principal objectif est de voir ses enfants arriver à l'âge de maturité aux yeux de tout le monde. C'est bien dommage qu'en 1996, la nature a décidé de changer Patricia comme une maîtresse de pauvres après l'action de Jacob Romeus qui était un homme odieux. C'est à partir de ce moment-là que Patricia Prévillon, au lieu de se laisser aller à cause de sa mauvaise expérience et de se mettre en quête de normes, comme ferait le grand Diogène pour prendre soin de ses fils et d'elle, a décidé de se mettre à aborder tout le monde pour élever ses enfants. Peu de temps après, Patricia Prévillon a commencé à détester l'un de ses progénitures, Kervens Romeus, parce qu'il est le sang de Jean-Claude Romeus. Pour elle, l'adage qu'on répète souvent, tel père, tel fils, était une vérité absolue. Le jeune Kervens Romeus, tout petit, a commencé à faire face à la misère, à des paroles outrageuses, des coups mortels, de la part de sa propre maman, Patricia, de sa sœur aînée Wasto. Pour revenger l'action de son père, à votre avis, un adolescent méritait-il ces gens de répondre aux questions? Bon, et normalement, on va mériter tellement, mais à manque de maturité, beaucoup de moments, j'aime dire maturité, il n'y a pas de capacité intellectuelle, il n'y a pas de l'âge, il est venu simplement comme un simple intelligent qui a développé la carrière. C'est une bagaille qui est une victime, toute victime. Ça. C'est-à-dire, lorsque l'OM, on va parler de Jean-Claude Romeus, lorsque l'OM voit que Métis Jean-Claude, c'est-à-dire toute action Jean-Claude qu'on a fait, Kervens a fait tout, pendant ce temps, il n'est pas connu que papa m'sait, papa m'sait. C'est sans papa moyen, mais pas forcément sans papa produit, c'est lui-même pas produit. Ou sinon c'est lui-même qui est pour mal produit. Voilà, on ne peut pas penser comme ça. Mais il est tellement là pour expliquer, ou sinon il y a des bagages et tout, il y a des cicatrices et tout. Puisque le détester Jean-Claude, il est obligé de détester petit Jean-Claude, qui c'est Kervens Romeus. Petit Jean-Claude qui se Kervens Romeus, mais Capdou décédé être mort, Capdou décédé ou même tout fait face avec un sur YouTube. Et il y a un peu de jeunes qui ont capsule là, qui peut être dans la même situation, peut-être que proprement il y a eu, pour résoudre l'autre, il y a dénigré, il y a des mots déplacés. C'est ça que vous faites face. Et je vous dis, pour utiliser toutes les techniques, soit personnelles, soit recommandées, pour remonter capable. De survivre et qui est capable, je veux dire, qui vient faire de soigner, je veux dire. Maintenant, qui ça qui t'a motivé, je veux dire, à produire mon livre pour permettre que l'autre monde, maintenant, qui message peut être passé exactement à travers le cri de l'autre? Bon, deux comportements sont équipés.
Christ. Ok? Par contre, moi, ce passé, durant 25 ans, je n'ai pas souhaité personne passer par pour ça. Parce que par pour ça, au café, il y a un monde devenu bandit. Il y a un monde devenu une nuisance pour la société. Mais je ne vais pas faire ça. Certes, il y a un monde qui passe et pas pour eux, ils disent que moi, je ne vais pas passer le tout, je ne vais pas passer le tout. Non, on ne va pas penser comme ça. Mais par contre, tellement de cicatrices, tellement de cicatrices, calculons bien où. Pas avec les papas, on vit pas maman avec mon grand soeur, deux mouns yon levé contre moi. Bah, vous avez dit, et c'est yon qui, c'est yon qui a pour manger, c'est yon qui a pour yon, c'est yon qui a fait tout. Pas qu'il dit, la vie à vous, voilà yon contre en même temps. Passionné et vivé pour tout être vivé, donc c'est censé tout un parcours ça qui fait que vous là, donc nous sommes censés inviter tout le monde qui sur nous à travers Chanel avec tout le télescope info pour nous faire à chercher qu'on est qui côté lui saluer donc pratiquement qui côté monde capable de faire de ça. L'IPSA est disponible dans la bibliothèque municipale de Delma, il est disponible dans la bibliothèque municipale de Taba, il est disponible dans au BG de la Télévision Nationale. Il est disponible tout dans la Bibliothèque Nationale. Nous croyons que c'est là, si on a besoin de découvrir le parcours Kervin, parce que le parcours Kervin s'est assemblé avec un paquet de monde, mais qui est en silence. Même pas choisir d'être en silence pour un paquet de raisons. Nous choisir de parler pour ne pas continuer à victime dans ce société. Parce que quand on est qui choisit de vivre, je dis, mais je crois que par un côté entrepreneur, nous ne passons même pas. Mais des fois, il y a qui ne peuvent pas l'exprimer. C'est-à-dire, ils veulent faire mon quoi que je fais tout. Vous comprenez ça quand même. Mais même pas comme ça. Ils veulent parler de parcours pour si la capillaire. Parce que ce n'est pas de volonté, on doit décourager. D'ailleurs, si je suis découragé, je ne vais pas forcer pour me lever là. Et je dis, c'est une histoire, papa, monsieur, bon, tel père, tel fils, c'est dit, nous devons dire que je ne suis pas détenu. C'est-à-dire que oui, c'est fini là. Pour vous. Mais je ne suis pas trop. Parce que on est passionné de l'éducation spécialement, de technologie. C'est un bagage, il a fini tout côté ici. Moi, à l'endroit, je me dis, moi-même, je suis passion. Et voilà, je fais des pays informatiques. Merci, en plus, Kevin, pour le fait que vous avez accepté l'invitation. Donc, déjà, nous invitons tout le monde qui a suivi la chaîne de tout le monde qui a fait. Nous sommes capables d'aller ensemble, on doit savoir que nous sommes capables d'acheter tout ça, qui c'est le prix de notre business. Pas oublier, abonner, partager, faire commentaire, ça permet de nous avancer. Nous sommes en train de travailler ça. Merci tout le monde.